De l'association Seif Cinéma au Maroc et de Casa Mémoire. En fait, la problématique du scène du cinéma et de leur devenir est complexe. Il y a énormément de problèmes qui vont tous être abordés aujourd'hui. Le piratage, la rentabilité, la communication de ces salles. Mais aujourd'hui, le point d'entrée, le point qui nous intéresse, puisque c'est celui de la salle de cinéma en tant que patrimoine architectural. En dehors du fait qu'une salle peut ou ne pas être rentable, il y a quelque chose, c'est que beaucoup de ces salles sont aujourd'hui des œuvres architecturales majeures. Tout Casablanca d'ailleurs, les 100 villes en Maroc sont des œuvres architecturales majeures que nous n'arrivons pas malheureusement à communiquer au monde. Vous avez aujourd'hui, si vous prenez un Américain, vous prenez un Russe, et vous lui parlez d'Art Déco, l'architecture Art Déco, il vous dira Miami. Miami n'a pas 5% de l'architecture Art Déco de Casablanca, ni en termes de quantité, ni en termes de qualité. C'est important de sauver les salles de cinéma, il est donc important aujourd'hui de les sauver, mais aussi de les sauver par le biais de l'architecture, parce que c'est un autre point de vue dans lequel c'est pas seulement le ministère du Commerce et de l'Industrie ou des Finances qui peut être impliqué, mais nous avons aussi le ministère de la Culture. La collectivité locale a comme responsabilité aussi de sauvegarder ces biens-là. Donc, pour démarrer cette conférence de presse, je vais vous présenter trois personnes. La première personne est Tarek Mounaïm, qui est acteur et qui est président d'une jeune association qui s'appelle Save the Cinema au Maroc. Et sans lui, et sans la rencontre fortuite entre lui et Selma Zerboni, qui est architecte, et qui est, je vais vous le dire aussi, qui avant d'avoir fait Archimedia, a fait une opération qu'on compte réitérer. Elle a fait à Casablanca le premier festival international du film d'architecture. Le FIFAC, première édition, a eu lieu à Casablanca en l'an 2000. Je me dis exactement que vient dans l'an 2000. Et à l'époque, beaucoup de cinémas y avaient contribué, le Lynx, etc. Et qu'à un moment donné, dans cette spécialisation, dans le film documentaire, le film d'architecture en particulier, Casablanca a été le centre du monde architectural parce qu'on a passé des dizaines de films extrêmement intéressants. Et donc, c'est une initiative qu'on compte effectivement reprendre avec d'autres bonnes volontés. Abdelhamid Kassou, architecte, il est aussi très impliqué dans la défense du patrimoine puisqu'il est président de l'association Casa Mémoire, une association qui est très active à Casablanca,
et dont le but est de protéger, de défendre le patrimoine architectural. Alors, sans plus tarder, je vais peut-être céder la parole à Asma Zaroli, voilà. Asma, qui va un petit peu peut-être raconter la genèse de la rencontre. La rencontre avec Tarek Manehim, je pense qu'on n'a jamais fait, mais on n'a pas eu le courage de le faire, même si on se rendait bien compte que le patrimoine à la fois affectif, qui sont les vieux cinémas de nos villes, et puis en tant que œuvre architecturale, c'est important. Je pense que si on n'avait pas eu un porteur de projet comme Tarek, dans souvent les salles de cinéma au Maroc, on n'aurait pas eu ce courage-là, parce que c'est un désastre trop, trop important. Pour nous, en tant qu'amoureux du bâtiment, en tant que tel, puisque nous sommes architectes impliqués dans la ville en tant que tel, par notre façon de travailler, les cinémas se trouvent souvent dans des centres villes, dans des centres urbains, et c'est tout le centre urbain qui est affecté par la perte de ces monuments historiques. C'est tout l'espace public, en fait, de la ville qui en est affecté. Et pour nous, ce qui est important, c'est de tirer cette sonnette d'alarme et de dire, si le cœur battant des villes, on laisse détériorer les plus belles choses qu'ils ont, qu'ils possèdent, je pense que c'est à partir de là que nous risquons de perdre toute l'âme de toutes nos villes. J'insiste beaucoup parce que nous avons fait le tour avec Architecture du Maroc par des photos et aussi par des témoignages. Vous avez d'ailleurs ici Nabil Rouali que je remercie pour le travail qu'il a fait dans Architecture du Maroc, et Sarah Zaid aussi qui a beaucoup beaucoup travaillé surtout sur Casablanca. Une journaliste à Architecture du Maroc. Donc, chaque fois qu'on arrivait dans une salle, il y avait toute une histoire qui était derrière. Donc, Fouad a bien expliqué les choses, c'est que nous, on se positionne en tant qu'architecte et on se dit que si ce patrimoine-là venait à être classé, nous parviendrons main dans la main avec les personnes qui sont dans le monde du cinéma, ces monuments historiques. Donc c'est d'abord et avant tout cette raison pour laquelle nous sommes là. On ne va pas vous faire des discours, je pense que le mieux c'est d'être interactif avec la salle pour que vous permettez que vous nous posiez ou qu'on avance dans des discussions. Nous sommes ici reçus grâce à M. Marakchi, que vous avez ici présent, qu'on remercie d'ailleurs pour sa générosité. Et lui, c'est le président des salles de cinéma la chambre marocaine des salles de cinéma, donc qui va lui pouvoir parler en fait de la problématique à proprement parler. Vous avez ici le directeur du Megarama aussi qui a parlé de l'autre axe, c'est-à-dire les multiplex. Vous avez M. Alaoui qui lui a fait une première expérience de multiplex à l'intérieur de la salle, des salles de, qui en premier rang ici à l'intérieur de la salle de l'Éden, et qui en même temps est exploitant de cinéma. Vous avez donc toute la partie cinéma qui est extrêmement bien représentée. Monsieur Boudier qui nous vient de défendre, donc de loin, il arrive, qui était l'un des plus grands propriétaires de salles de cinéma, il en avait 15. Il commence à les détruire, la mort dans l'âme, il est ici présent. Il n'est pas heureux de détruire ces salles parce qu'il sait que c'est quand même quelque chose d'essentiel. Il en a une maintenant qui est sur la planche, comme on dirait, qui s'appelle la Venida de Tétouan, et il est malheureusement contraint d'avoir à la détruire parce que sa salle, il l'aime, il n'est pas dans une situation de le faire uniquement parce qu'il veut de la rentabilité. Et bien sûr, nous avons le grand Atef Mehlo qui est très discret au fond, que je remercie au passage pour sa présence et pour être là. Donc je pense qu'aujourd'hui, si on est tous réunis, c'est non pas simplement pour dire on se lamente sur les salles de cinéma qui sont en train de se fermer, on est en train de réfléchir à quelque chose qui soit quelque chose de plus concret.